Ok, je crois que cette chaîne atteint un niveau de malsain assez impressionnant. Salut à tous les amis, c'est Agent GB, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mod, juste avant le live de ce soir, la petite vidéo mod complètement what the fuck est complètement badass. C'est un mode tout nouveau qui vient de sortir, il est en alpha, c'est un truc de malade, et je n'ai qu'une chose à dire, poulet. Poulet, bordel. Est-ce que vous avez vu ce coffre absolument magnifique? Poulet. Est-ce que vous avez vu ça quand même? Ça ressemble à rien, c'est absolument poulet. Magnifique, c'est absolument oufissime, et ça vous donne une idée du poulet. What the fuck? Là c'est pas vraiment un mode badass qu'on va voir aujourd'hui, c'est un mode poulet. What the fuck? Mais genre, quand je dis what the fuck, c'est what the fuck pur, du what the fuck complet, c'est n'importe quoi. Alors, pour vous procurer déjà ce magnifique coffre, voilà, ça s'appelle un chicken chest, ça se craft comme ceci, un coffre entouré de plumes, rien de plus simple, et ça a un look complètement oufissime. Regardez-moi ça, même en 3D, on peut voir ça. Regardez, c'est trop beau, c'est magnifique, et c'est un coffre complètement what the fuck que vous pouvez avoir en le craftant avec un coffre entouré de plumes, comme je l'ai dit. Mais aujourd'hui, ce mode, qu'est-ce que ça rajoute? Ça rajoute surtout plein de mobs complètement what the fuck, complètement malsain. Enfin, en anglais, ils disent weird. Ça veut dire bizarre, mais ouais, là c'est même pas bizarre, c'est genre quand tu vas, tu fais ah ouais d'accord, ah ouais d'accord, ouais, quand même là on atteint un niveau assez spécial quand même. Bon alors attendez, du coup avant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on craft les différents items que voici. Donc voilà, c'est des items en dirt, tout à fait normal, complètement. Il n'y a aucun respect pour la craft, tu vois, c'est des items en dirt, d'accord, il n'y a plus de pression. On fait des items en dirt, pourquoi pas, n'importe quoi, c'est absolument n'importe quoi. Après au niveau, bon, des stats, c'est pas top top top, hein, comme vous pouvez voir. Et au niveau de l'armure, voyons voir, on va mettre ça. Et tu vois, j'ai force 3, jump boost et tout, le truc qui part trop en couille. Boum, ça me donne 2 de protection. Donc voilà. Voilà. C'est pas top top top, hein, j'avoue. C'est pas le top des armures, mais c'est quand même assez stylé au niveau du look. C'est un peu n'importe quoi. Et bien en plus, ça se craft en dirt, donc pour commencer une partie, ça peut toujours être vachement utile. Alors j'ai avec moi mon pote Legolas, qui va nous... Comment dire, je l'ai amené avec moi pour ce mode, pour qu'il me rappelle quand même qu'il y a encore du bon dans ce monde. Hein, mon petit Legolas? Bah oui, mon Legolas, il y a encore du bon dans ce monde. C'est ça, tourne-moi le dos. Non, c'est ça, regarde le loin, regarde l'horizon. Parce que, ne regarde pas, franchement, parce que là ce que je vais faire spawner, mon gars, tu risques d'être choqué. Donc t'as raison, regarde par là-bas, mais surtout, te retourne pas. Il y a de la neige qui flotte, c'est tout à fait normal. On est sur la map mode. Alors, premier mode, on va même prendre la première ligne. Boum, le creeper TNT. Tac. Voilà, une TNT sur un creeper. Est-ce que c'est normal? Absolument pas. Mais voilà. Voilà. Allez, salut. C'est absolument n'importe quoi, putain. Il n'y a plus de respect. Regardez, je vais prendre une sword. Une dirt sword afin d'exciter notre ami creeper. Et qu'on voit un petit peu les effets. J'ai pas envie de le buter. Alors, je vais tout simplement le faire exploser avec un flint and steel. Est-ce que ça marche comme un creeper? Ah, ça marche pas comme un vrai creeper. Ah si, ça marche comme un vrai creeper. Boum, d'accord, vous avez vu l'explosion. Voilà, plutôt plus puissante qu'un creeper. Alors ensuite, nous avons ici le Villager Witcher. Alors là, on commence très très lourd. Voilà. Un What? Un Wither avec une tête de villageois. Allez, salut, bonsoir. Non mais regardez, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, regarde-moi cette tête absolument immonde. C'est immonde, c'est n'importe quoi. Tu ne mériterais pas d'exister. Tout ça, c'est des modes qui font partie du mode, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de respect pour le respect, quoi, je veux dire. Là, c'est vraiment weird, quoi. C'est bizarre, c'est malsain. C'est n'importe quoi. Alors, voyons voir les effets une fois qu'on le tue. Touk, 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 touk. Boum, une Nether Star, tout à fait classique. En fait, c'est une fois que le mode est installé, lorsque vous craftez le Wither, eh bien ça vous donne ceci, cette magnifique créature, que je c'est pas du tout magnifique, puis c'est complètement what the fuck, et c'est ça qu'on aime, hein, les golasses. Alors maintenant, la créature suivante, le Kratos. Qu'est-ce que c'est que ce... What? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est complètement n'importe quoi. Alors voilà, j'en ai regardé quelques-uns des mobs avant de faire la présentation, mais je voulais quand même garder la surprise, même pour moi, parce que j'adore ça, me garder la surprise. Kratos, c'est n'importe quoi, et ça drop des bouts de cochon pas cuits. D'accord, très bien. Ensuite, nous avons ici le Rabbit Pig.
un lapin cochon. D'accord, on est en 1.7.10, hein, je précise. On n'est pas en 1.8, 1.7.10. Alors vas-y, bouge un peu pour voir comment tu te déplaces. What the fuck? What the fuck? Mais c'est n'importe quoi, mon pote. En plus, il y a une espèce de barre. Qu'est-ce que ça drop? Du cochon, d'accord. Il y a du cochon. Ensuite, le flying slime. What? Du flying slime? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Alors attendez, il faut que je me mette peut-être en... Ah non, pourtant. Ah voilà, c'est bon. D'accord. Ok, c'est une slime qui vole. Ok, ok, j'allais dire normal, hein, une slime qui vole, bah bien sûr. On est dans un monde what the fuck, on est dans un monde badass, alors allons-y, allons-y. Bah allons-y, je ne dirai rien. Et ça aussi, ça vole. Ok, d'accord. Ah ouais, d'accord. Et ça fait des bruits de... D'accord, des bruits de chauve-souris quand tu le tues. D'accord, non mais d'accord. D'accord, je vais arrêter de me poser des questions, je pense. Parce que là, ça devient vraiment n'importe quoi. Villager Gast. Alors, on va voir. What? What? Est-ce que vous êtes sérieux là, les mecs? Un putain de Gast avec une tête de villageois. Attendez, regardez-moi son nez. Oh mon dieu. Oh mon dieu, c'est dégueulasse. Ah, ça drop de la gunpowder en plus d'une larme. D'accord, pourquoi pas. Oh mon dieu, c'est n'importe quoi. Continuously turning pig. Qu'est-ce que c'est que ça? Poulet. Ok. Donc là, c'est un cochon glitché, mais qui a... ok. D'accord. Non mais t'imagines, moi ça c'est ma réaction quand je vois que Fraps bug, tu vois. Ça c'est ma réaction quand je vois que Sony Vegas il fait des conneries. Meurs, créature du diable. C'était n'importe quoi. Ensuite, le Chikao. D'accord, Chikao. D'accord. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, d'accord, okay, je ne dis rien, je ne dis rien. Under Villager. Ok, donc là, c'est juste un villageois qui se téléporte, j'ai l'impression. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un villageois qui se téléporte. Rien de bien, bien spécial, mais oh mon dieu, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, les amis, il n'y a plus de respect. Oh là 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 là, c'est catastrophique. Alors ensuite, deuxième ligne, qu'est-ce que c'est que ça? Un flying pig. Un cochon qui vole. Ben voyons. Alors attends, la question... Est-ce que je peux monter dessus? Là, c'est la question que tout le monde se pose, on est d'accord. Est-ce que je lui ai posé une selle? Non. Non, non, il paraît... Bon, on peut pas poser de selle? Ah non, on peut pas poser de selle sur ce magnifique cochon. C'est dommage, RTC c'est triste. C'est pas grave. Alors, attends, il est où notre tente? Il est là-bas, avec notre magnifique coffre poulet. Alors ensuite, nous avons ici le Pig Villager. Oh mon... Ok! D'accord, est-ce que je... on peut même faire des trades avec, d'accord. Ok, tu peux changer du poulet, d'accord. Arrête de me regarder, là, c'est très gênant. Oh mon dieu, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh là là, bah ça, ils sont devenus copains, là, ils s'y trouvent un pote. Eh, salut, tu vas bien? Bah oui, écoute, tranquille, écoute. Pff, n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Alors ensuite, Weird Spider, oh mon dieu. Si rien qu'il y a Weird dans le nom, c'est que ça doit être... Qu'est-ce que... C'est que ça... D'accord. Ok, bah écoute, ma foi, pourquoi pas, écoute, hein, on n'est plus à ça près, j'ai envie de dire. Oh là là, c'est n'importe quoi. Ensuite, ouah. Oh mon dieu. C'est un poulet, mais version fat, quoi, c'est un poulet, oh là là, non mais respecte-toi. Oh, tu pourrais me dropper quand même un peu plus que un poulet, bon, en même temps, c'est un poulet, vous me diriez. Oh là, c'est n'importe quoi. Ensuite, Squid Blaze. D'accord. C'est un blaze avec des petits trucs qui tournent autour de lui, ok, d'accord, ok, ok, d'accord, ok, 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 d'accord. Et ça drop des trucs de squid, ok, pourquoi pas. Ensuite, Cookie Monster. Ah, oui, ça c'est les marionnettes aux États-Unis, c'est un show qui est super connu aux États-Unis. Ouais mais non. Allez, crève. Est-ce que ça drop des cookies? Non, ça drop pas de cookies puisqu'il n'y a pas de cookies dans le mode, alors attendez. On va le refaire spawner, voilà. Hop, hop, hop. Oui. Ça drop des cookies, des vrais cookies. Bah oui, des cookies Minecraft, des cookies vanilla. Bah oui, pourquoi se poser la question? D'accord, ensuite, l'Ultra Witch. Oh my god, qu'est-ce que c'est que ça? Slowness. Non mais dis donc! Non, 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 mais dis donc! Tu t'as pas les golasses, toi? Qu'est-ce qui t'a fait? Qu'est-ce qui t'a fait, mon pote? Allez, voilà, c'est ça, crève. Non mais dis donc. Il a droppé quoi, de la gunpowder? Il est où, mon bébé? Légolas. Légolas, reviens ici tout de suite. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait encore, ce con?
Il est tombé. Il a explosé encore, mais c'est pas possible. Je peux pas faire un seul mode sans que tu exploses. Entre Star Wars et ça, moi je suis... Oh là là, oh là là. Enfin bref, il réapparaîtra peut-être plus tard quand il sera sage, voilà. Parce que là, il est puni, privé. Ok, donc là, c'est un Chicken Ghast version fat. Ok, d'accord, pourquoi pas. Et toi, qu'est-ce que tu drops? Du poulet, une Ghastiers? Oh, on ne saura pas. Alors, attendez, je vais en faire spawner un. Oh mon dieu, c'est n'importe quoi. Une Ghastiers, d'accord, pas de poulet, juste une Ghastiers. Ok, d'accord. Alors, oh là là, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, les amis. Alors, on va voir la dernière série. Les Snow Golem. Ça, ça existait déjà, ça. Ouais, ouais, dans tout ça, c'est des trucs qui existent. Non, pas ça, par contre. Pas ça. Par contre, alors, attendez. Déjà, ça, on va s'en occuper. Voilà, tombe dans les profondeurs des profondeurs. Toi, tu meurs dans les profondeurs de profondeurs également. Et alors là, ça, c'est un Squid Ghast. Oh, la vache. Mais c'est énorme. Putain, Skydios Minecraft, il aurait pas kiffé, quand même. Est-ce qu'on y a bien la tête? Je veux voir la tête. Arrête de tourner, je veux voir ta tête. Oh, mon Dieu, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. D'accord. Ok, pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Il y a plus de respect. Non, mais écoutez, il y a pas de problème. Il y a pas de souci, hein. C'est un mode what the fuck battleship. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est n'importe quoi. Ensuite, slimy ship. Oh mon dieu, c'est n'importe quoi. Mais respectez-vous. Oh là là. A very weird pig. Un cochon très bizarre. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'est que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je vais zoomer dessus. Oh là là, c'est dégueulasse. Regardez-moi ça. Des pies tournantes. Non mais please. Oh là là, mais respectez-vous. Elle est où la hitbox là-dessus? Elle est en bas. Ok, d'accord. Ensuite, squelette pig. Ok, d'accord, et ça comme un squelette, ça réagit comme un squelette. Oui, c'est vrai que ça, j'avais lu ça quelque part, il y a le EI, comme on dit, du squelette. Et enfin, le co-villager. Oh mon dieu, salut toi. Oh là 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 là, c'est n'importe quoi. Meurs. Meurs, non, il n'y a plus de respect, meurs. Voilà, donc ça c'est tout pour les mobs. Et maintenant, voyons voir les deux items, le throwable villager qui se craft comme ceci. Et la giant TNT qui ne peut pas se crafter, qui est disponible qu'en créatif. Et qui est une TNT... assez puissante. Alors bah, on va descendre, essayer de trouver un coin pas trop explosé. Bah ici, tiens, on va le faire exploser au milieu de tout ça. On va faire exploser genre là. Non, là. Est-ce que vous êtes prêts pour l'explosion de l'irrespect? Je vais en poser une en dessous, histoire que ça tombe pas. Non, non. Ah, non, ah, non, non, ah, non, Nom de Dieu, tu veux pas exploser toi, tu veux pas exploser. Ok, tu veux pas exploser, y a pas de problème, y a pas de problème, y a pas de problème, y a pas de problème. On va prendre un bloc de redstone, boum, boum et boum mon gars. Mais c'est pas possible, ils font exprès. Ils veulent pas absolument. Ah voilà. Non, ils veulent pas. D'accord, vous voulez pas que je. Ah voilà. Oh putain. Ah oui d'accord quand même. Ah oui quand même. Ah oui quand même. Attention. Ah ouais, quand même, ça vaut le coup, c'est assez puissant. Alors maintenant... Coucou. Coucou. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, coucou. On est dans un mode weird, alors j'ai envie de dire normal quoi. Coucou. J'ai envie de dire normal, ok. Et en fait, ce truc, vous le craftez comme cela, donc comme je vous ai montré, et vous pouvez le balancer. Coucou. Vous pouvez le lancer et ça fait des explosions de malade mentale en fait, voilà. Vous lancez, et c'est des grenades, et ça fait des explosions extrêmement puissantes pour un tout petit objet. Comme vous pouvez voir, je suis en train de défoncer... littéralement le truc avec le bruit du villageois quand vous le lancez. Donc regardez, voilà, j'atteins déjà les profondeurs. Voilà, ça y est, j'atteins le fond. Oh, du diamant et du silverfish. 1, 2, c'est tout. Oh, c'est stylé quand même. Donc voilà, c'est quand même ultra stylé, un petit villageois que vous pouvez balancer et ça fait des sacrés explosions quand même. Donc voilà, en résumé, un mode complètement what the fuck avec des modes mais d'une bizarritude absolument irrespectueuse des lois scientifiques de la nature. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ce mode, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un max de likes et à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, à tout à l'heure pour le live. High five. Alors boum, peut-être level 19. Oh, dommage, pas level 19. Alors, ah, l'étape d'enchant résiste aux explosions. D'accord, autant pour moi. Lucky Bow. Oui, mais j'ai pas de flèche. J'ai pas de flèche, ouais. J'ai flame, mais j'ai pas de flèche. Donc, Unlucky Swill, Osef. Encore de la TNT. Ciao. Ciao, Bella. Oh, désolé. RTL. Oh. Oh, protection 2. Oui, mais j'ai...